Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo et je vais vous montrer un truc assez extraordinaire. Ici, je vous montre de très près sur votre écran. On a donc un texte écrit totalement à la main. Et grâce à Brahim, que je remercie énormément, qui m'a donc permis de découvrir cette application, je vous la fais donc découvrir à mon tour et vous allez voir que le texte manuscrit, maintenant, n'est plus un secret pour les lecteurs d'écran. Ici, vous allez voir que Sullivan Plus, l'application qui va être similaire à Seeing AI de Microsoft, ici, avec cette application, on va pouvoir lancer une numérisation. Tout de suite, je vais vous le montrer. Voilà donc l'application que je vais vous présenter aujourd'hui. Merci de vous abonner à la chaîne Vision High Tech. Et c'est parti donc pour cette démo de Sullivan Plus. On va rentrer dans les applications. Écran application, page 5 sur 6, Sullivan Plus. Donc, cette application s'appelle Sullivan Plus. Cette application est très simple d'utilisation. En bas, vous avez donc un gros bouton du nom de Capture, Touche, Capture. Menu. À sa gauche, on a donc le bouton Fonction Screen. Et à sa droite, un autre bouton Fonction Screen. On va aller dans Menu. Une fois que vous ouvrez ce menu, vous avez donc différentes applications qui apparaissent. Sélectionner et texte recognition touche. Le texte de reconnaissance, on va la valider. Texte recognition. Ici, je me mets hauteur d'un avant-bras. On se met sur le bouton capture. Texte détecté. Il nous dit qu'il a détecté du texte. On le valide deux fois. Je suis Christophe et j'aime les nouvelles technologies. Nous sommes le 4 janvier 2020. Franchement, c'est extraordinaire puisque c'est écrit en gros feutre. En plus, c'est écrit pas forcément super nickel. Voilà donc comment on va faire pour obtenir Sullivan Plus. Il va donc vous falloir un téléphone qui tourne sous Android. Allez sur le Play Store et allez télécharger le logiciel du nom de Application Sullivan Plus for Visually Impaired and Low Vision Tue Company Limited. On ouvre. Information sur application, Sullivan Plus for Visually Impaired and Low Vision. On va lire le descriptif de cette application. Alors, Sullivan Plus peut être ressemblant à Seeing AI. Pour l'instant, il y a une grosse partie qui n'est pas francisée, mais certainement, si le développeur voit que l'application prend de l'effet, il va certainement pouvoir faire quelque chose. Dans tous les cas, l'OCR, lui, est francisé. Et on va voir tout de suite que fait cette application. Découvrez le monde avec Sullivan Plus. Laissez-le devenir vos yeux pour voir le monde. Déjà, ça vous annonce la couleur. Plus. À propos de l'appli. Découvrez le monde avec Sullivan Plus. Laissez-le devenir vos yeux pour voir le monde. Sullivan Plus est une application d'aide visuelle fournie par Tue Company Limited pour améliorer l'accessibilité des utilisateurs malvoyants et malvoyants et informe les utilisateurs qui ont besoin d'aide visuelle des informations perçues via l'appareil photo du smartphone. Avec un seul coup, vous pouvez obtenir l'aide qui convient à la situation et me détrouve automatiquement les meilleurs résultats qui correspondent aux photos prises. Avez-vous eu des difficultés à vérifier le contenu de divers documents tels que le courrier, les magazines et les journaux? Reconnaissance de texte, trouve un texte et vous dit par le son. Pointez la caméra sur l'endroit où vous souhaitez que le texte soit reconnu. Lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, cela vous indique de quelle personne il s'agit. Reconnaissance faciale, il reconnaît une personne photographiée avec un appareil photo et indique son âge et son sexe. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait votre environnement? Description de l'image, identifie les objets autour de vous et crée une phrase décrivant la scène identifiée. Lorsque vous vous apprêtiez à sortir le matin, aviez-vous du mal à trouver la couleur des vêtements que vous vouliez? Reconnaissance des couleurs, prend en charge le mode d'une couleur qui vous indique la couleur du centre de l'écran et le mode couleur qui vous indique la couleur occupant une grande partie de l'écran. Vous inquiétez-vous si les lumières étaient allumées toute la nuit? Luminosité de la lumière, le capteur de luminosité situé à l'avant du smartphone vous indique la luminosité de la lumière, uniquement disponible dans les smartphones avec capteur de luminosité. Il aide également les personnes mal à l'aise en raison d'une basse vision, et non d'une déficience visuelle totale.
Fonction loupe à l'aide de la fonction zoom de la caméra, elle permet d'agrandir ou de réduire un objet ou du texte ou d'inverser la couleur. Fonction principale, un modia 2, reconnaissance du texte 3, reconnaissance faciale 4, description de l'image 5, reconnaissance des couleurs 6, luminosité légère 7, loupe. Certification MA, accessibility, guide droit d'accès, appareil photo, utiliser l'API de l'appareil photo pour contrôler l'appareil photo et prendre des photos, stockage, enregistrer temporairement l'image capturée et supprimer-la après l'analyse de l'image. Appel téléphonique, passer un appel vidéo au numéro de téléphone sélectionné dans le carnet d'adresses. Sullivan Plus ne peut être utilisé que sur Android 5.0 version ultérieure. Comme vous venez d'entendre, il faut donc posséder un Android minimum 5.0 et je vous mettrai donc le lien dans la description, bien sûr, comme d'habitude. On va tout de suite la télécharger, je vais vous montrer les premiers écrans de cette application. C'est parti. L'application est maintenant téléchargée, on va pouvoir l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'Android avec les dernières applications que je vous ai montrées dans les dernières vidéos sur l'accessibilité? Je pense qu'aujourd'hui, sous Android, les applications deviennent un peu plus accessibles. Alors, on n'en est pas au point d'iOS sur iPhone, mais déjà, un utilisateur Android peut déjà se contenter de pas mal de choses très sympathiques. D'autant plus que cette application est entièrement gratuite. Allez, on passe tout de suite, on l'ouvre. Ouvrir, bouton. Autos, vue multipage, just to finger to turn de page, you will see menu screen by flipping left and function screen by flip. Alors pour vous dire, au tout départ, toutes les premières fenêtres sont en anglais, donc vous les passez gentiment, tranquillement, sans problème. M'inscrit et mode reçu de guide page 8 of 2. Donc, vous faites deux doigts de la droite vers la gauche. Basic recognition mode setting guide page 8 of 3. Menu setting guide page 8 of 4. Voice setting guide page 8 of 5. Notification setting guide page 8 of 6. Odor setting guide page 8 of 7. Oh oui. Permettra Sullivan plus de prendre des photos et de filmer des vidéos. 1 sur 2. Bien sûr, on va lui dire oui. Refuser. Autoriser. Bouton. Autoriser Sullivan plus à accéder aux photos, contenus multimédia et fichiers sur votre appareil. Bien 2 sur 2. Bien sûr, on va lui dire oui. Refus. Autoriser. Bouton. Voilà, donc une fois que vous avez lancé votre application, c'est très simple. En bas, il y a donc une flèche gauche qui s'appelle menu screen, touche. Au centre, double capture, touche, fonction screen, touche. Et à droite, double appui pour activer. Une flèche et une flèche à droite. Cette flèche à droite, si vous la validez, fonction screen, vidéo call, touche. Vidéo call, flash on, touche. Pour activer le double flash, galerie, touche. Pour aller dans la galerie, pour aller scanner des photos dans la galerie, save note, touche. Pour sauvegarder des notes, char, touche. Close fonction. Touche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la flèche de gauche, c'est la flèche à la gauche du bouton capture. Menu screen, tout. Menu screen. Voilà, ici, on a sélectionner et mode, touche, texte, recognition, touche, face recognition, touche, image description, touche, color, touche, light, touche. Donc couleur, appui pour activer. Couleur, lumière, image description, image touche. Description, double. Image description, reconnaissance de texte, reconnaissance de face. Color magnifié, touche. La loupe. Double note, touche. Pour les notes. Community. On va se prendre un petit texte dans un bouquin. C'est un texte cette fois-ci dactylographié. Et vous me direz ce que vous pensez donc de cette application. Je ferai un peu plus de tests dessus. Je suis vraiment en train de travailler dessus, mais j'étais très impatient de vous montrer l'écriture manuscrite. Allez, on fait un petit test. On se met donc sur texte de reconnaissance. Et on part pour voir si... Text not detected. Text detected. Capture, touche, double. Plateau 1 tracker du jumelle de la Terre 51. La date de mise en service de plateau pour Planetary Transit and Oscillation of Star est encore lointaine. Pas avant 2026, SOS promesse sans valoir l'attente. Plus qu'un télescope
Plata sera un assez long d'observation constitué de 26 cônes d'anneau ouverture de 12 cm de diamètre aux USAV et l'OP par l'Agence Spatiale Europe, et ESA, compte une importante partie de ses futures pro-recherches analyses d'exoplanètes. Il devrait permettre aux astronomes de découvrir et de caractériser des planètes de la taille de Terre et des super-terres tournant dans la zone habitable d'à oculaire distance. En effet, de nombreux subsistent au sujet de Zeppelin voyage spatial lointain rien que pour la planque rouge prendre un minimum 6 mois sur la santé d'un humain. Seuls des robots pourraient éventuellement y parvenir à condition que nous ayons fait d'ici là des progrès considérables dans la conception de nos engins spatiaux des signes de vie à chercher près de chez nous jusqu'à présent. Voyageur à l'objet envoyé le plus loin par l'humanité terrestre parvenu qu'aux limites de notre système solaire. Et la prouesse est déjà immense. Pour autant, tout qui fit espoir de se frotter de notre... Voilà donc pour Sullivan Plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Actuellement, on fait beaucoup de vidéos sur des applications accessibles via OCR manuscrit et via OCR dactylographié. Donc, je vous mets tout ça dans la description. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. N'hésitez pas donc à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.